présentation de ce Demian Maia Pistol. Allez, on y va. Le combat est prévu en 3 rounds de 5 minutes. Superbe esquive de frappe par Pistol. Le low kick brutal a bien claqué. Single leg takedown, joli. Il retourne la situation. Full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Garde. Oh, il se prend un énorme coup du droit. Il lui fait goûter son coude. Il est en position de side control. De retour en full mount. Maia tente une clé de bras. Voilà, ça y est, il place un armbar. Il s'en est sorti. Et c'est une droite par Pistol. Les deux se remettent debout. Et le coup de poing porte. Super combo. Des coups des deux côtés. Il lui prend la jambe et la fait tomber. Demian Maia se retrouve sur le dos, mais il peut être très dangereux depuis le dessous avec ses soumissions. Oui, ses adversaires ont intérêt à rester sur leur garde quand il est dans cette position. Excellente transition. Il se relève encore une fois. Et il est passé à côté avec ce coup de pied. Il réussit un joli single leg. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Balayage qui lui octroie la position dominante. On passe en garde montée ici. Un coup violent et vicieux d'un Pistol. Il prend ainsi l'avantage dans cet échange. Pistol en full garde. Ils sont de retour debout. Quelle puissance dans ce coup de pied. La gauche touche la cible. Superbe enchaînement. Il se relève à nouveau. 15 secondes dans ce round. Ce coup passe. Très bonne position. Et c'est la fin du premier round. On voit que la prise n'était pas verrouillée. Un très bon round. Britney est avec nous ce soir. Allez, c'est reparti. Un beau single leg. Superbe Hammerfist. Superbe coup de coude. Beaucoup de points de Maia. Belle défense du dessous avec des coups de poing. Il essaie de passer en half guard. Sur sa posture ici pour envoyer des frappes. Ils se relèvent tous les deux. Et ça touche sa cible. Steven Seagal doit être fier s'il voit ça. Coup de poing bloqué. Ah, il cherche à lui couper le souffle. Super coup de pied par Pistol. Il
jambe et l'emmène au sol. Belle gauche de Pistol. Transition en full garde. Son œil est de plus en plus gonflé. J'espère qu'il n'y a pas une fracture de l'orbite. On enchaîne avec les coudes. Coup de coude qui connecte. Et il prend le dessus. Retournement de situation, full garde. Le combat va continuer debout. C'est parfaitement bloqué. Fin du pied. Puissant low kick de Pistol. Belle frappe par Maya. Oh, overhand. Coup de poing encore. Ça enchaîne bien. Il l'emmène contre la cage. Il place un puissant coup de genou au corps. Il l'enchaîne avec ses coups de genou violents. Waouh ! Il le touche avec cette frappe. Le coup de pied au corps qui touche. Single leg takedown, joli. Encore 20 secondes. Il passe en full guard. Et c'en est fini du second round. Le gros coup de pied, regardez. Ariani, toujours aussi séduisante. Les 5 dernières minutes, c'est parti. Le takedown est contré. Le direct touche à la tête. Il enchaîne les frappes. Très très bonne défense de takedown. Il lui prend la jambe et la fait tomber. Il entre entièrement dans sa garde. Et on passe en full mount. Superbe échappée. Même en position basse, il continue d'attaquer avec des frappes. Ça manque cruellement d'action. Ben. S'il ne se passe pas quelque chose très vite, l'arbitre va les forcer à se relever. Wow, il est passé en full mount. Maya ne verra bientôt plus rien. Il ne lui laisse aucun répit. Alvgaard ici. Il se redresse. Oh, belle hammer fist de Pistol. Le coude qui touche. Demian Maya, dont la défense arrière est impressionnante. Bah, apparemment, ce n'est pas le ground and pound qui l'arrêtera ce soir. Coup de coude qui va faire mal par Pistol. Il s'acharne un coup de coude. C'est une transition, mais ça ne passe pas. On repasse en garde. Maya veut le soumettre. Belle défense. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Deux se relèvent. Et la gauche passe, joli. Takedown de Maya.
un coup qui touche. En full garde. Peut-être que c'était juste une glissade. Coup de pied au corps. Les coups de pied de pistole. Coup de pied au corps, à nouveau. Le combat va à son terme et les juges vont maintenant remplir leur carte de score. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Les juges ont rendu leur décision. On retrouve Bruce Buffer pour l'annonce officielle. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges scored the contest 9-28, 30-27, and 30-27. Going the winner by unanimous decision, Demian Maia. Demian Maia qui prend la victoire par décision unanime.